compte rendu de la 45e réunion du Conseil des ministres. Comme annoncé au dernier Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 mars 2022, en présentiel à la Cité de l'Union africaine. La 45e réunion du Conseil des ministres était inscrite à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen des dossiers. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. La nécessité du soutien public pour l'émergence nationale d'une filière agricole. Le président de la République a invité de nouveau le gouvernement à impulser et à coordonner la transformation des atouts naturels que regorge notre pays, tels que la disponibilité de 80 millions d'hectares de terres arables, une hydrographie dense et d'un point de vue régional, l'expérience avérée dans la production du riz, du manioc, des pommes de terre, du maïs dans certains territoires. Bien que la libre concurrence soit la règle qui prévaut dans notre système économique, le président de la République, chef de l'État, a estimé que le gouvernement peut progressivement orienter certains achats publics, notamment ceux liés aux produits agricoles, vers les producteurs agricoles locaux. Il a insisté que l'objectif poursuivi est d'accompagner une révolution agro-industrielle nationale, d'une part en garantissant à nos producteurs agricoles l'accès à des marchés publics qui devront énoncer bien en avance leurs besoins en termes de quantité, de qualité et de conditionnement. D'autre part, pour favoriser l'éclosion d'une filière agricole nationale qui devra se professionnaliser afin d'améliorer la compétitivité de ses produits. Le ministre en charge de l'agriculture, du commerce extérieur, de l'industrie, de l'économie nationale, du budget ainsi que des finances ont été chargés, sous la supervision du Premier ministre, de mettre en place une commission de travail devant analyser la possibilité d'orienter dès la fin de cette année dans la mesure du possible et en définitive à partir de l'année prochaine, les achats de colis de fin d'année des produits alimentaires du gouvernement, ainsi que ceux de la présidence de la République vers les produits agricoles issus de la production locale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la redynamisation du transport maritime congolais. Partant du constat selon lequel la ligne maritime congolaise totalise à ce jour plus de 2 décennies sans disposer de sa propre flotte, le président de la République a plaidé pour repenser la stratégie de cette entreprise publique en lui dotant notamment de navires performants et adéquats pour lui permettre de jouer son rôle naturel d'armement de l'État. Il est donc important, a-t-il insisté, d'accroître sa capacité de participation dans l'industrie maritime internationale et de contribuer efficacement à l'accroissement du commerce extérieur du pays. Pour y parvenir, la ministre d'État, ministre du Portefeuille, ainsi que le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement ont été chargés de présenter un projet relatif dans un délai d'un mois au prochain Conseil des ministres. Troisième point de la communication du président de la République au sujet de la relance du transport fluvial. Rappelons au gouvernement que le transport fluvial présente le double avantage d'être le moins coûteux en termes de coût à la tonne kilométrique transporté par rapport à d'autres modes de transport et l'investissement moins coûteux. Le président de la République a chargé le gouvernement à relancer ce mode de transport. Ainsi, le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, avec le ministre des Finances, ont été instruits à présenter au Conseil un plan de relance y relatif. Les 10 plans devraient être axés notamment sur les unités flottantes à réhabiliter composant le parc existant, mais aussi en profiter pour revaloriser l'industrie locale, entre autres les chantiers navals de la SCTP et de Chaminétal pour la construction de nouvelles unités selon les normes à la matière, de manière à desservir à la fois le fleuve et ses affluents. Le quatrième point de la communication du président de la République
a porté sur la numérisation des entreprises du portefeuille de l'État en paiement sécurisé des factures de la SNEL et de la Régie des eaux. Le président de la République tient à voir toutes les entreprises publiques tirer de nombreux avantages de la digitalisation pour une gestion optimisée devant améliorer leur performance sur de nombreux indicateurs. C'est dans cette logique qu'il a chargé la ministre d'État, ministre du portefeuille, assistée par le ministre du numérique, de s'assurer que toutes les entreprises du portefeuille de l'État puissent produire et mettre en œuvre à court terme des feuilles de route adaptées pour leur transformation numérique respective, avec une priorisation sur tout ce qui touche à leurs finances. S'agissant spécifiquement de la Société nationale d'électricité, SNEL, et de la Régie des eaux, qui ont en commun des problèmes récurrents de trésorerie, découlant notamment de très nombreuses failles dans leur processus de collecte et de traçabilité de recettes, le président de la République a exigé qu'il soit mis en place, d'ici le 31 décembre 2022 au plus tard, un système d'information intégré. Ces derniers devraient répondre aux standards internationaux qui permettront une meilleure canalisation de tous les paiements faits par les abonnés pour la consommation d'eau et d'électricité qui passe par un circuit électronique sécurisé et ce, sur toute l'étendue du territoire national. L'accompagnement du secteur bancaire, des opérateurs de télécoms et plus généralement de l'ensemble de l'écosystème technologique du pays qui comporte de nombreuses entreprises fintech pourra consolider ces changements radicaux sous la conduite du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Intervenant à son tour, le Premier ministre chef du gouvernement, à la suite de la communication du président de la République, a d'abord souhaité, au nom de tous les membres du gouvernement, un bon retour et un prompt rétablissement au président de la République à la suite de son séjour médical effectué à l'étranger il y a quelques jours. Ensuite, le Premier ministre a déploré les drames qui ont touché la nation à la suite des différents accidents mortels et incendies. C'est ainsi qu'il a parlé de l'accident survenu au territoire de Lubudi, province du Lualaba, des compatriotes qui ont été victimes d'un déraillement causé et qui a causé plusieurs pertes en vies humaines en fin de semaine dernière. À cette occasion douloureuse, le gouvernement a pris toutes les dispositions y afférentes en accord avec les autorités de la Société nationale des chemins de fer du Congo ainsi que les autorités provinciales de la province du Lualaba pour que tout puisse être fait. À Kinshasa, dans la commune de Matete, quartier de Bonhomme, un incendie a provoqué dans la nuit du mercredi 16 mars 2022 des dégâts matériels considérables et la mort d'un jeune garçon. Et hier encore, 17 mars 2022, un accident mortel survenu au niveau du pont de la rivière Maïndombe a causé la mort de plusieurs compatriotes, parmi lesquels trois députés provinciaux de la province du Kwilu, alors qu'ils effectuaient un voyage vers Kinshasa. Pour le Premier ministre, ces drames interpellent à nouveau le gouvernement de la République sur la nécessité du renforcement des mesures de sécurité dans les domaines du transport, de l'aménagement du territoire. Autant y rappelle la problématique de l'urbanisation et celle du commerce du produit pétrolier dans les grandes villes. Le gouvernement s'incline devant toutes ses victimes et sur tant d'autres et s'engage à prendre toutes les dispositions utiles à travers le ministère sectoriel concerné pour que pareil accident puisse être au maximum évité. En ce qui concerne les préparatifs du match de barrage de Léopard, prévu le vendredi 25 mars prochain contre l'équipe du Maroc, le Premier ministre a rappelé de nouveau le devoir sacré et patriotique de mobiliser la nation tout entière afin de soutenir et d'encourager les Léopards pour remporter haut la main ces défis historiques. Sur un autre point, le Premier ministre chef du gouvernement a fait un bref rapport de sa récente mission effectuée dans les provinces de Choapa et de l'Équateur en perspective de la tenue au mois d'avril 2022 de la 9e conférence de gouverneurs prévue à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. En marge de sa mission principale, le Premier ministre s'est rendu avec plusieurs membres de l'Église catholique au sanctuaire où est enterré Isidore Bakanja,
dans la perspective de la commémoration de 25 ans de sa béatification ainsi que de la venue annoncée du pape dans notre pays. À ces propos, justement, le Premier ministre a indiqué que des commissions ont été constituées réunissant les membres du gouvernement, les experts de la présidence de la République, les membres de la CENCO, ainsi que d'autres experts, notamment ceux de la ville-province de Kinshasa et de la province du Nord-Kivu, sera à pied d'œuvre dès le début de semaine prochaine pour assurer l'efficacité et la réussite de ces grands événements. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, représentant le vice-premier ministre en mission territoriale dans les provinces du Kwilu, Kwango et Kasaï, a présenté la synthèse de l'état du territoire national, qui reste globalement calme sur toute l'étendue, à la suite de la détermination du commandant suprême de ramener la sécurité dans tout le coin, exception faite des opérations en cours dans les provinces sous état de siège. Quant à l'état d'esprit de la population, le vice-ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il a été caractérisé notamment par le retour du président de la République, chef de l'État, ce jeudi 17 mars 2022, la cérémonie d'ouverture des sessions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat le 15 mars 2022. En ce qui concerne la situation des provinces, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est revenu sur la clôture au Sud-Kivu de la télé du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire. Terminant son intervention par le volet de sinistres et autres catastrophes, il a évoqué le cas évoqué précédemment par le Premier ministre d'un incendie dans la commune de Matete et pour ce qui concerne l'accident de circulation ayant entraîné la mort de plusieurs de nos compatriotes, dont trois députés provinciaux de la province du Kwilu, le vice-ministre de l'Intérieur a fait les rapports de la mission gouvernementale qu'il a effectuée sur le lieu hier dans la soirée. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté la situation opérationnelle, militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Il a indiqué que les opérations militaires entre les forces armées et les forces armées ougandaises se poursuivent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu contre les forces négatives. Au sujet de l'évolution de la situation à pandémie à COVID-19, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie. Il en ressort que la baisse des nouveaux cas de contamination se conforte davantage par rapport aux semaines précédentes. Cette amélioration a permis au gouvernement d'en tirer quelques leçons, notamment, primo, la nécessité de relever le défi de faire de notre système de santé, de rendre notre système de santé plus solide à travers la mise en œuvre de la couverture de santé universelle capable de répondre à une crise épidémique soudaine. Deuxièmement, l'impératif de faire face à la faiblesse structurelle actuelle de notre système de santé pour être capable d'assurer une réduction de taux de mortalité qui oscille autour de 1,5%. Troisièmement, la nécessité de maintenir efficace le partenariat public et privé et d'assurer la mise en place d'une combinaison d'outils, mesures barrières, traitement de cas confirmés, vaccination, car c'est cette stratégie qui a permis au gouvernement de baisser les statistiques de contamination et de stabiliser la mortalité due à la pandémie. Avant de clore ce propos, le ministre de la Santé est revenu sur l'attaque qu'a connu il y a quelques mois le convoi de Médecins sans frontières dans la province de l'Ituri et qui a occasionné le retrait de cette ONG internationale dans cette partie du pays. Le gouvernement s'impliquera davantage pour prendre des mesures concernant la protection des personnels humanitaires qui travaillent dans cette partie du pays. Et pour ce qui concerne cette attaque, une enquête sera diligentée. Prenant la parole à son tour, toujours sur ce chapitre de points d'information,
le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait l'économie du rapport de mission qu'il a effectué du 7 au 11 février 2022 à Doha au Qatar, avec pour but de signer l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements et des infrastructures. Ce qui concrétise le mémorandum d'intention signé en février 2021 lors de la visite officielle du président de la République dans ces pays. Il a indiqué que cet accord porte sur l'engagement de deux pays à coopérer dans les domaines des infrastructures en général et de la modernisation des infrastructures aéroportuaires en particulier. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a dit avoir noté, tant auprès de l'émir du Qatar lui-même qu'au niveau des différents ministres rencontrés, une volonté claire du gouvernement de Qatar de nouer un partenariat mutuellement avantageux avec la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a aussi fait le point au Conseil de sa participation à la deuxième édition du Forum diplomatique d'Antalya du 11 au 13 mars 2022 en Turquie, placé cette année sous le thème de réforme de la diplomatie. Plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement ont pris part à cette grande rencontre qui s'est essentiellement focalisée sur la question ukrainienne. En marge de ses assises, il a eu des entretiens avec son homologue des affaires étrangères de la Turquie pour faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays et sur la situation des Congolais en séjour irrégulier en Turquie. Il a transmis à son homologue la liste de compatriotes concernés pour une prise en charge au niveau politique dans le cadre d'excellentes relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a aussi eu l'occasion de faire le point de la situation de nos compatriotes jadis bloqués en Ukraine. Ils ont pu trouver refuge en Pologne et en Roumanie. Pour ceux qui sont en Belgique et qui voudraient poursuivre leur cursus académique, il a indiqué que le président de la République l'a chargé de suivre de près cette situation pour éviter qu'il ne tombe sur des cas de discrimination. Le Conseil des ministres a pris acte de son rapport. Intervenant à son tour au sujet de l'état d'avancement des projets d'entretien de la voirie de Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur les chantiers de projets particuliers réalisés et en cours de réalisation pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. Le Conseil a aussi pris acte de ces rapports. Intervenant à son tour pour clôturer ce chapitre de points d'information, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présenté au Conseil la stratégie de rénovation et de modernisation des centres et instituts de recherche. Elle vise à permettre au pays de s'assurer de capacités infrastructurelles et matérielles, de structures et entités qui interviennent dans la gouvernance de la recherche. Considérant le faible budget alloué au ministère de la Recherche scientifique, le ministre a proposé au gouvernement une option permettant de recourir au PPP pour permettre de viabiliser ces structures. Le Conseil des ministres a approuvé l'option proposée par le ministre de la Recherche conformément à la loi portant sur le PPP. Troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé de décision prise lors de sa dernière réunion tenue le 11 mars 2022. Au chapitre d'examen et d'adoption des dossiers, un dossier du développement de la valorisation de la promotion des actifs miniers. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a présenté au Conseil le dossier Congo Ressources relatif au développement, à la valorisation et à la promotion des actifs miniers de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un véhicule financier mis en place pour résoudre la problématique de la valorisation des actifs dormants des entreprises minières du portefeuille de l'État, allusion faite notamment
à certains actifs qui sont tombés dans les domaines publics de l'État pour défaut de paiement de droits superficiels, d'une part, et de leur incapacité de faire face aux exigences du financement des infrastructures ou d'offrir des garanties devant permettre de conclure des partenariats gagnant-gagnant, d'autre part. Elle a expliqué que cette valorisation d'actifs miniers se fera à travers les marchés boursiers du monde qui permettra de lever les fonds qui seront affectés à la certification de nos réserves et serviront de garantie collatérale pour le gros des investissements. Le Conseil des ministres a approuvé l'option de la création de la société Congo Ressources. Quant au mémorandum avec le groupe AGM, il n'a pas été approuvé. Il a donc été renvoyé de ses fêtes pour examen approfondi à la commission mixte gouvernementale qui sera créée à cet effet. Commencée à 12h56, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h40. Je vous remercie.